Et bien salut tout le monde, c'est XVSK, aujourd'hui on se retrouve certainement pour la fin de nos aventures sur Battlefield. Bon, du coup on avait nos objectifs là-bas. Donc là on peut voir qu'il y a pas mal de monde. Pas l'air d'y avoir grand monde là, c'est bizarre. Allez cheval, on y va. Oh, il y a une petite tornade là. Qu'est-ce qu'on a comme arme? Ok, on a la mitraillette. C'est la même, non? Intéressant. Qu'est-ce qu'on a ici? Une grenade à manche. Ouais, là-bas. Directement, je pense. Hein. Là-bas, il y a un lance-flamme. Ça fait mal les barbelés, ça fait très très mal. Comment ils ont fait pour me voir? Pom 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 pom. Allez, salut. Ta tête. Qu'est-ce What? Je suis mort de quoi là? C'est quoi qui m'a tué là? J'ai tué le mec au lance-flamme, pourquoi je suis mort? Il m'avait même pas touché! C'est quoi cette embrouille? Oh putain! Oh putain! Allez, vas-y. C'est quoi, on va aller là-bas? On va aller de l'autre côté, on va commencer par l'autre. Stop, blague, sérieux, je suis mort de. Cancer des testicules ou du vagin, c'est au choix. Vu que je suis une femme là. Allez. Ah, ça va être génial là, quel temps. Bon, déjà on va essayer de se faire le gars là-bas. Ahurissant de voir à quel point il y a rien que courir un tout petit peu, c'est terminé quoi. Elle te spot à 20 000 mètres quoi.
Eh bien ma gueule! Ah, il a de l'air, je crois, non? Waouh! Je suis bien là en fait. Non, en fait, je suis pas bien. Ici. Et voilà le tank. Mais tu vas le toucher un jour. Moi je vais tuer tout le monde, ok? Je vais te flinguer tout le monde, j'en ai rien à foutre. Oh putain! En fait non, je vais mourir je crois. Ah oui d'accord. Moi je suis foutu quoi. Bon. Là on dirait que... Non mais t'arrêtes de tourner en boucle. Bon je crois que c'est dead là, on n'y arrivera pas. Il va falloir la jouer discret. Allez, on se casse. S'il te plaît, le tank, tu peux me lâcher le cul un peu là. Elle est où le truc d'arme? Oh punaise. Bon, techniquement, il peut pas m'avoir d'ici. Qu'est-ce que tu dis? Y'a pas des, des trucs explosifs là? Pourquoi j'en peux le temps qu'on me voit d'ici? Je me sens épié, je sais pas pourquoi. Bien, j'entends des queues.
faire là, je pense. Ah oui, ça va être grave l'enfer même. Mais c'est du coup que je suis là. Voilà, on a le truc de la sacoche. Au moins, ça va nous faire une sauvegarde. Qu'est-ce qu'il faut aller là ? Oh, mais putain, il m'a spoté le tank ! Mais c'est sérieux, mais je suis à 20 km de toi là ! Ouh, c'est la guerre ! Vite ! La guerre. Wouh. Pas grave le pigeon, t'inquiète. Tu ne risques rien, pigeon. Allez, on se tire. Seul ordre ne suffirait pas. Les procédures ottomanes prévoyaient que le train obéit à un message envoyé en triple exemplaire. Allez, nouvel objectif. Ouais, là-bas. On espère qu'on tombera pas sur un tank, encore une fois. C'est beau, le désert, c'est beau. Et là, putain, faut en faire du kilométrage, hein. Focus les alarmes en fer, je crois. Je remarque qu'il n'y aura peut-être même pas besoin de focus les alarmes. Maintenant le plus dur. Allez à l'objectif. Sans se faire spotter. Là, il y a un gentil monsieur, donc on va lui foncer sur la gueule vite fait. Sika gagaga, t'es mort. Et le truc, voilà. Va mon pigeon, va. Nous devions nous reposer entièrement sur les capacités de Zara. Mais j'étais certain qu'elle saurait se débrouiller. Ouais, moi aussi. Je sais pas ce qu'ils sont en train de se faire niquer, mais ils envoient pas de message, rien. C'est... Oh, on est en train de perdre des hommes, c'est pas grave. T'inquiète.
Oh putain, y'a la Jeep là-bas. Oui, ça peut, je suis là. Je veux bien croire qu'un cheval ça fait du bruit, mais faut peut-être pas déconner. Hein. Bon, allez, je pense que c'est cette zone qui va être la plus marrante au final. Allez, Ex, tu peux le faire. Cette arme. Silencieux. Excellent. On va aller passer ici en premier en fait. Bon. Le truc marrant maintenant. Le commandant. On va attendre. Parce que si un mec au lance-flamme vient dire bonjour, je suis foutu et j'ai pas envie d'avoir perdu mon temps. Ah, Ex! Salut! Allez, c'est l'heure d'envoyer le message. Là, c'était cette mission. Un petit sniper, et c'est bon, ça emballe et c'est pesé quoi. Thank you.
vois, le message a été envoyé, ma belle. Pas le message que tu espérais. Désolé de te le dire. Et alors, hein, c'était si accueillant. Et j'avoue que j'ai un peu hésité à m'enfuir. J'ai pris soin de noter l'emplacement du campement de Laurence, bien sûr. Ce qui veut dire que le train le connaît aussi. Deux fois, tu as annoncé au train que tout allait bien, mais... je lui ai dit exactement où frapper. Le monstre est à vos trousses, ma belle. Et il va venir vous exterminer, toi et ta petite bande de rebelles. D'abord, la tempête de feu de l'artillerie. Et puis, le tour des soldats vont passer à l'assaut pour achever les survivants. La légende de Laurence d'Arabée prend fin ce soir. Canavar ne cessera plus de nous traquer maintenant. Non, en effet. Laisse-moi réfléchir. Le train viendra d'assez loin. Il fera donc un arrêt pour se ravitailler en eau et c'est là qu'on devra intervenir. D'accord. Je m'occuperai des sentinelles et je poserai des explosifs sur les rails. Et moi, je rallierai nos hommes. Quand la voie aura sauté, le train sera coincé. Donc à l'instant où tu entendras l'explosion, tu devras déclencher l'assaut. D'accord. Mais garde à l'esprit que nos hommes ne viendront peut-être pas. Il est probable qu'après le déclenchement de l'explosion, tu te retrouves toute seule. Est-ce que t'en es consciente? Mais de toute façon, je ne le saurai qu'après l'explosion. L'homme prépare des plans, et Dieu en rit. Naturellement, de nombreux Ottomans occupaient la petite ville où nous devions tendre une embuscade au train. Il faudrait s'occuper de ces troupes avant de pouvoir placer les explosifs. Il faut détruire les véhicules avant de pouvoir placer les explosifs. Il y a des gardes partout! Faire appeler un ami. Je peux pas faire appel à un ami, s'il vous plaît. Je crois qu'ils savent que je suis là, je suis pas sûr. Oh oui, ça va être le gros bordel de ouf là. Comment est-ce que je suis, sérieux? C'est hard comme il y a pareil, hein. Putain, mais 100% de touché ou quoi là? Mais putain! Eh merde, au moment où j'arrive derrière le rocher, t'es pas sérieux!
Bon. Trois camions, j'ai trois mines, on va la faire rapide. Le pire c'est que techniquement c'est... Par des plans, et Dieu en rit. Oui, oui, on sait que Dieu en rit. De nombreux Ottomans occupaient la petite ville où nous devions tendre une embuscade au train. Il faudrait s'occuper de ces troupes avant de pouvoir placer les explosifs. S'occuper de ça, ah, d'accord, faut tuer les gens d'abord. Mais d'abord, ouais, faut... Chut, check that. Ils sont où les canons? T'as trop de monde, sérieux, comment vous voulez qu'on fasse? Regardez-moi ça quoi. Genre tuant et ça vous chute direct, je suis sûr. Oh, c'est qu'il faut prendre une sacrée bonne distance pour pouvoir ne pas se faire spotter après quoi. Putain, mais regardez ça! Mais pour chasse! M'expliquer comment il a su où j'étais? J'ai fait tout le tour. Impossible qu'il sache où je suis. Et... Absolument impossible qu'ils sachent où j'étais. Face à une opposition dotée de blindés, nous retournons souvent les armes des Ottomans contre eux. Grenades anti-chars, pièces de campagne, tout ce que nous pouvions trouver. C'est pour ça que j'aimerais bien monter prendre le mortier là-haut. Le truc c'est qu'on dirait que je peux pas monter, comment je fais? Ah si, voilà. C'est pas votre mortier dans le coin. Ouais. Oh ben c'est un peu un échec là, je pense. Et l'autre mortier qui me nique là. Merde, putain.
Chier! Il m'a piqué mon mortier, ce PD! C'est quoi ça? Ça doit faire mal ça quand tu tires avec. Non, c'est pas grave, ils sont bien dispersés là, c'est cool. Cool. Faire ça. On n'a plus qu'un à péter. Attends, ceux qui savent pas où je suis là. Ils savent absolument pas où je suis. J'en profite. Nettoyer le village des ennemis. Ah ben merci. Alors il reste plus que l'autre pas beau au fond là. D'accord, c'est une arme lourde ça. Il est parti où ce PD? Tu vas pas me dire que les parties utilisent. Ah non, c'est pas là. Putain, ça fait mal ce machin! Une fois la ville nettoyée par Zara, nous pourrions armer le piège pour le train qui approchait. Ah, faut être blindé maintenant, génial. Ça va être comique ça. Ah, mais putain, d'accord, tu prends 3 balles là-dessus, tu meurs. Putain. Allez, là, c'est la final mission, là. Faut qu'on réussisse à le faire easy. On va juste me brouiller, par contre. Putain mon cochon, je crois que ça va être dur ce train.
Comment on va faire là? Est-ce qu'on a des mecs avec nous au moins là? Oh putain, on se casse, ce bruit. On peut dire adieu au mortier là. Ah, canon. On a bien, il va falloir switch entre tous les canons pour pouvoir le péter là. Et à chaque fois qu'on va lui révéler notre position, en lui tirant dessus, il va venir. C'est obligé. Oh non, 4%, cassos. Allez, encore un coup. Là-bas, il y a encore des trucs là. Il y a encore des trucs là-bas. On peut le faire. Je vois pas le train, déjà. Pourquoi il bouge pas le train là? Bon tant pis, il faut y soir. Allez! On tente le tout pour le tout! J'arrive à lui mettre les coups, il est mort. Peut-être douce ou amère. Comment est-elle pour toi, Zara? Mais t'as raison, pensons à l'avenir. Voyons les choses en grand. Pourquoi pas le canal de Suez? Un peu en bataille navale.
C'est tout? Genre, on a même pas un petit récit, genre, oui, la guerre, c'est pas bien, la fête pas, tout ça, avec une avec la voix de Samuel Jackson ou un truc dans le genre, non? Oh, je suis déçu. Ah là là. Bon, ben voilà, on a fini, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, je vous avouerai que j'ai un avis assez mitigé par rapport à ce BF, hein. On parlera pas du multijoueur, je n'irai pas dire quoi que ce soit par rapport au multijoueur, parce que moi, les BF en multi, enfin, globalement, les FPS en multi, c'est plus mon truc, je vous avouerai, c'est plus une chose qui m'intéresse. À part peut-être Titanfall 2 qui va arriver bientôt, mais lui, c'est juste parce que j'adore le style, mais voilà, pour tout ce qui est BF, Call of et compagnie, je passe pas des masses de temps en multijoueur. Donc on va s'attarder uniquement sur le solo. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que d'un point de vue graphique, c'est une claque, hein, c'est clairement une claque. En fait, je m'attendais pas à ça. Quand j'avais joué à bêta, j'ai fait « Mais, c'est du Battlefield, quoi, ça impressionne plus. » Et là, j'avouerais qu'ils m'ont quand même un petit peu impressionné, voire même beaucoup impressionné. Mais pas forcément comme je l'aurais voulu, dans le sens parce que les passages véhiculés sont plus impressionnants que les passages à pied. Ça, c'est un peu concept. Mais bon, on voit que c'est du bon Frostbite là dans le solo. On sent que c'est encore plus poussé qu'avant. Mais voilà quoi, c'est du Battlefield quoi. On a l'habitude maintenant avec DICE. Maintenant, j'avoue quand même que même si je reste impressionné, c'est pas la même claque qu'a pu être la claque BF3. Si vous vous souvenez à l'époque quand BF3 est sorti, putain, on avait des étoiles plein les yeux graphiquement parce que c'était l'annonce d'un nouveau moteur graphique, on n'avait jamais vu ça, destruction totale, tout ça. Et donc voilà, c'est vrai que sur BF1, ça fait un peu moins mouche, mais c'est toujours impressionnant. Bah, niveau durée de vie, c'est court, personnellement. Si je devais le comparer à son concurrent direct, Call of Duty, je sais pas, Black Ops 3, il a duré combien de temps? Il a duré beaucoup plus de tweets. Je crois qu'il a même duré 10-12 heures, je sais plus. Mais je me rappelle que le let's play était quand même assez long, j'avais été assez surpris même. Alors, voilà, quand on passe à BF1, le jeu, enfin, le FPS le plus attendu, le FPS, pour ceux qui ne voulaient plus jouer à Call of Duty, littéralement. Pour le solo, je suis un peu déçu par rapport à la durée de vie. Certes, c'est dans les mœurs, c'est classique, mais voilà. Pour l'épisode qui était supposé apporter tout ce qu'il apporte et détrôner Code, je suis un peu déçu. Je m'attendais à beaucoup plus long. Maintenant, gameplay, j'ai envie de dire c'est classique, hein, c'est du Battlefield, quoi. Mais je vous avouerai que j'étais moins... Enfin, je sais pas. En termes de gameplay, toujours à pied, hein, tout ce qui est gunfight et compagnie, je trouve que les anciens sont supérieurs. Là, ils nous ont fait un petit truc sympa, c'est-à-dire un peu d'ouverture, un peu la possibilité de faire infiltration, mais au final, infiltration, c'est plus une perte de temps qu'autre chose, quoi, parce que l'IA est tellement dégueulasse que... Enfin, l'IA, c'est comme partout maintenant. Moi, je crois que j'ai pas vu une bonne IA depuis Fear 1. Là, l'IA, voilà quoi. C'est classique, hein. C'est une IA qui se met devant toi pour dire hey, vas-y, flingue-moi. Attends, je me mets un petit peu à couvert pour faire genre, je te donne du challenge, tu vois. Donc voilà, niveau gameplay, c'est atrocement classique. Les seules phases que j'ai vraiment aimé au final, ce qui m'a le plus amusé dans ce BF, c'est pas les phases gunfight, c'est les phases en véhicule, quoi. C'est hallucinant. Bon, j'avoue par contre que le petit truc avec Laurence d'Arabie, c'était sympa, mais c'est surtout grâce à la musique, parce que la musique, elle me donne des frissons là quand on l'entend. Et j'avoue que le personnage, même si ça a été court, je trouve que la petite demoiselle, là, j'aimerais en savoir plus sur son histoire. Alors que par exemple... Hein, souvenez-nous de nous. Un message de clôture de l'équipe. Ah, mais j'ai oublié ça. Ah, bah, excusez-moi. Bon, on va voir le message, hein, vas-y. J'avais pas vu, excusez-moi. Vas-y, on va voir. Aujourd'hui, nous battons, vas-y. On va aller voir. C'est la première fois que je fais ça. Ils m'ont brain. Un jour, tout cela finira. Quelqu'un gagnera cette guerre qui tuera la guerre. Qu'il fasse partie d'un camp ou de l'autre. Les canons rouilleront. L'herbe poussera. Et il ne restera rien de tout ça. La terre guérira. Comme tout, au bout du compte. Nous serons morts depuis longtemps.
mais peut-être pas oublié. Si l'histoire ne se rappelle qu'un sur mille d'entre nous, l'avenir sera rempli de récits relatant qui nous avons été et ce que nous avons fait. Comment nous avons vécu, combattu et péri. Quand tout ça sera fini et que la guerre aura été gagnée, on se souviendra de nous. Mais jusqu'à ce jour, nous tiendrons. Nous regarderons la mort dans les yeux. Et nous nous battrons. Bon ben voilà, petit message sympa. Un petit message sympa, voilà. Vous savez les... Je sais pas, vous savez, en général, ce genre de choses, on le met à la fin, vous voyez, quand on a fini le dernier niveau. On le met pas en genre, hey, regarde, la fin, elle est là, clique dessus. Non, globalement, le solo était sympa, mais je vous avouerai que... Voilà, quoi, c'est... Pour moi, maintenant vous avez peut-être plus kiffé que moi, et ça je peux le comprendre, hein, mais j'avais plus d'attentes peut-être. J'avais espéré que ça serait quand même plus poussé, qu'il y aurait quand même des nouveautés en termes de gameplay. Au final, en termes de gameplay et de solo, c'est assez classique. Hein. Maintenant c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, il y a des passages sympas, tous les passages véhiculés sont vraiment cool, j'ai bien aimé ça. Mais voilà quoi, c'est dommage parce que justement ces passages véhiculés volent la vedette au gameplay en soi quoi, enfin au passage au sol quand t'es un pauvre troufion, et ben je sais pas. En plus les récits sont beaucoup trop courts quoi. Comment vous voulez vous attacher à l'estafette par exemple? Qui d'entre vous s'est attaché à ce pauvre italien? Qui d'entre vous s'est attaché à ce gars? Franchement. Du scénario, les seuls personnages que j'ai aimés, c'était notre ami le pilote fou et la demoiselle. Et Zara. Ce sont les deux histoires où j'ai réellement ressenti quelque chose. Le reste, j'ai... Enfin, oui, c'est vrai, c'est un peu triste pour l'estafette parce qu'il meurt à la fin, tout ça, ouais. Mais au final, je sais pas, c'est sur eux que j'ai ressenti quelque chose. C'est sur eux que j'ai ressenti que je jouais. Les autres, j'ai pas réellement ressenti quoi que ce soit, quoi. C'est ça qui est un peu dommage. C'est un peu déséquilibré, je trouve, par rapport à ça. Maintenant, ça reste un bon jeu. Mais le solo n'est pas excellent. Il n'est pas excellentissime. C'est pas la 20e œuvre de Mozart ou une connerie dans le genre, quoi. C'est... Voilà, quoi. J'ai bien aimé, mais ça reste comme ça, quoi. C'est... Voilà, quoi. Je me suis autant amusé que je me suis amusé sur BF3 ou BF4 ou même Hardline, quoi. C'est sympa, mais c'est pas transcendant. Maintenant, faut voir, parce que s'il y a un season pass avec du solo inclus, peut-être qu'il y ait remontré à la pente, mais voilà quoi. En termes de scénario, bah, il n'y a pas grand chose au final, il n'y a pas grand chose, on n'a rien à se mettre sous la dent. On aimerait bien en avoir plus, et le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez, les chapitres sont trop courts, ils auraient dû tous faire 5 au minimum quoi. Franchement, s'ils avaient tous fait 5, ça aurait été sympa, mais là, voilà quoi, c'est. Pourquoi il y a des chapitres plus courts que d'autres? C'est ça qui est casse-couille, c'est que moi j'ai envie de... J'aurais bien voulu en savoir plus sur notre ami italien, j'aurais bien envie d'en savoir plus sur l'estafette, ce qui est devenu le petit jeune après. Mais voilà, on a rien. Comment vous voulez que je m'attache à des personnages si on joue si peu avec? Voilà, et ça le problème. Et certains pourront me dire, ouais mec, c'est les récits d'une guerre, c'est normal hein, qu'on passe en un truc. Non, je suis désolé. Captain Price, dans Call of Duty, il était là depuis la Seconde Guerre mondiale et il est encore là aujourd'hui. Non, ben voilà, c'est une connerie que je viens de dire, mais voilà quoi, c'est ça le problème, j'ai pas le temps de m'attacher au personnage. Zara, j'avais commencé, et à peine j'ai commencé, c'est déjà fini, quoi. Voilà quoi, c'est énervant, on en voudrait plus, et malheureusement, on en a pas assez, c'est pour ça que c'est un peu casse-couille, ça rend le jeu sympa, mais ça le rend pas excellentissime, quoi. Maintenant, je parle que du solo, hein. N'oubliez pas, le multijoueur, tout ça, moi je teste pas. C'est à vous de vous faire votre propre opinion. Moi, personnellement, j'irai pas me faire mon opinion dessus, parce que je m'en branle un peu. Ouais,
comme on dit. Et ouais, il y en a encore certains qui vont sûrement me dire « Ouais, c'est ça, ex. Ouais, tu joues à un Battlefield pour ça, toi. La bonne blague. Bah, je suis désolé, hein, mais Bad Company 2 était excellent. Hein. » Bon, allez, c'était sur ce sympa Battlefield 1 qu'on va s'arrêter ici, loulou. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que, comme moi, vous serez attaché à la petite Zara et à notre petit pilote de ligne. Allez, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Prenez soin de Rock'n'Roll. N'oubliez pas d'avoir là... attitude, comme d'habitude, je trouve beau cul. Vous connaissez la chanson, vous connaissez l'excluiton. Je vous laisse, je vous fais pas un poutou partout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao, bye, bouti bouti, et que l'amour du PO bien soit avec vous. Peace!